Bon, on va pas s'en plaindre, on a eu notre première arme en or assez facilement, les camouflages sont assez faciles à réaliser. Le camouflage, lui, est plutôt sympa. Le problème, il est là. C'est quoi ça? Bienvenue dans l'opération Deadbolt. Je suis désolé, on avait des histoires, elles étaient simples. Et là, maintenant, ils nous pondent des histoires où il faut réaliser des missions pour les débloquer. C'est quoi ça? Non, mais vous foutez de notre gueule ou quoi? C'est quoi ça? Débloquer des... Il faut faire des missions pour débloquer l'histoire? Non mais c'est pas un Call of, c'est un mot croisé maintenant! Nous y voilà! En soi, l'interface elle reste sympa quand même, mais le jeu, en lui-même... Non! Non! A few moments later... Non! Bon, les amis, l'équipe, j'ai eu un petit souci avec la vidéo, ce qui me pousse forcément à la modifier. Du coup, je vais vous donner mon avis concret sur Modern Warfare 3. Alors, j'ai pu regarder les avis, que ça soit sur YouTube, Facebook ou Insta, et c'est vrai que Modern Warfare... Warfare... Pourquoi t'as boimé? Warfare... Voilà, Modern Warfare 3 est le pire de la saga. En cause, le zombie, le multi et surtout la campagne. Alors pour être totalement franc avec vous, je dois avoir 6 heures de jeu au total, que ça soit sur la campagne, le multi, le zombie. Ah, le zombie, faut en parler, c'est une horreur. Enfin, personnellement, ayant vécu les anciens Call of à manche, j'adore ce système-là, je ne vois pas pourquoi ils ont changé. Enfin bref, le zombie, pour ma part, est une horreur. Autant être totalement transparent avec vous, là actuellement dans la console, c'est carrément un autre jeu. MW3, il est là. Je l'ai remis dans sa boîte. De base dans la vidéo, j'avais prévu des trucs de ouf, le déballer, enfin bref, il y avait énormément de choses à faire dans la vidéo justement qui me pousse à la modifier aujourd'hui. En tout cas, j'espère quand même que cette petite vidéo vous plaît. Mon avis, sur 10, je mettrai une note de 2,5 voire 3. En soi, il y a énormément d'armes, les graphismes sont excellents, mais Activision, ce n'est plus du tout ce que c'était. Alors n'hésitez pas, donnez-moi votre avis sur MW3 dans les commentaires, et peut-être que, allez, pourquoi pas, je ferai un ou deux lives, si vraiment j'en ai envie, quoi. Sinon, ça sera, pourquoi pas, du FIFA. En tout cas, je vais pas m'étendre 10 ans sur MW3. Si ça vous plaît, eh bien profitez-en, amusez-vous. Dans un autre cas, ne gaspillez pas 80€ dans un jeu que vous allez revendre à Cash Converters 10€. Mon avis n'est que le mien, faites votre propre opinion, c'est très important. Bon, bah encore un Call of à jeter, hein.